Salut à tous, c'est Lucas Loco. Aujourd'hui, on se retrouve pour un de mes nouveaux let's play sur Control. Alors, j'ai jamais joué au jeu, je vais découvrir en même temps que vous. On va commencer une partie. C'est parti, mon kiki. Et là, tu continues. D'accord, Lucas. Yo, c'est Bobby. Je trouve Ah, pas c'est le moi, jeu. Bobby. Attends. Parce que je viens de le télécharger. Contrôle. CON. Ah, ok, ça va. Du coup, on va jouer à Contrôle avec Bobby-san et Kiwi-san, des gamers, contrôle arrière. Est-ce que j'ai DirectX 12? Ouais, je l'ai. Toutes les femmes enceintes sont maxi heureuses. Du coup, contrôle, c'est quoi? C'est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Remedy Entertainment. L'histoire se déroule à New York, comme le dit la trame. Elle a l'air de contrôler. C'est une dame rousse. J'ai juste vu du gameplay en vrai avec et sans RTX parce que Nvidia fait une propagande de qualité. Ouais, t'incarnes Jeez Faden, mec. Dans Control? Oh. Ouais, de ouf. Stylé. Jeez. Jeez. J'ai oublié de me faire le post-it, mais en vrai, je vais y penser. Là maintenant. Je pense pas avoir de post-it. T'as du papier? J'ai une feuille. Écris dessus et genre tu fais un petit pli pour le mettre sur ton écran. Mon certificat de la JDC en boule. Tu l'as fait quand? Y a pas longtemps, il y a genre 2 mois, 3 mois en ligne. Ok, tu sais quoi, je me mets une feuille à Ça côté se de mon passe écran. comment en ligne? On regarde des vidéos qui sont pas très intéressantes et on n'est pas obligé de les regarder, tu vois, c'est genre tu les mets comme ça. Et c'est tout en fait. Je vais tout mettre en ligne Ça maintenant. fait vraiment pas être bien. Et c'était combien de temps? En vrai, je pense au total 1 heure et demie, 2 heures. En vrai, c'est peut-être mieux. De Moi, temps en ça a temps, je duré toute la regardais, tu journée, vois. du coup. Et c'est vraiment de la propagande. Ouais. Je me rappelle, à côté de moi, il y avait un mec qui puait. Lui as Mais il expliqué était que tu drôle, jouais? donc ça va. Peut-être qu'au voyage sceptique, si quelqu'un pue, je dirais pas, j'attendrai le deuxième jour pour voir si c'est quelque chose de récurrent. Nous allons commencer du coup une nouvelle partie dans Control. J'ai tout mis au max, je vais sûrement laguer. On va voir. Y'a pas de mettre au max, Est-ce réfléchis un que... peu. Non mais genre, tu vois, je mets au max et je vois si ça lag. Si ça lag, je Ouais. réduis. Ouais, tu veux que je mette le DLSS? C'est ça que tu veux? Tu veux Non, arrêtez, pas qu'on le ait des mobs? DLSS, s'il vous plaît. Mec, tu te rends compte Tout de ça? sauf ça. Metro Exodus, j'ai mis le DLSS. Et je l'ai terminé Oh en non, combien de s'il temps? vous plaît. 11 heures. Ce sera plus étrange que d'habitude. C'est Mélenchon. On n'a pas le choix. Attends, je mets le casque. Tu m'as appelé. Alors me voilà. Je sais, je t'ai ignoré parfois. Mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que j'ai tendance à espérer un peu vite. Et trop souvent, ça n'a rien donné.
Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. Regarde le poster en pensant que le monde, c'est que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film, avec la prison, c'est quoi le titre ? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. C'est toi, tu parles, tu mets les musiques. Okay, c'est bon. Ça va être grave bonne ambiance. Alors que je suis en full ultra, c'est cool. Bah ça c'est cool, mec. Par contre, ma sensibilité est trop élevée. Quel jeu ? Contrôle. Tu connais ? Tu as joué ? Non. Okay. Ni du tout. Ah mais c'est pas le jeu qui était gratuit sur... Si, si, totalement. Là du coup je vais en faire un... Fais attention. Je record. Ah ouais. Je dis juste ça par rapport. Je sais des fois que t'aimes bien faire des choses bizarres. Ouais. Y'a que toi qui fais ça, mec. Moi ? T'as bien mis la feuille sur ton écran. À côté ? Non, mais c'est quand je faisais des trucs bizarres, c'est ce soir, ce qu'il fait. Je l'ai vu il y a longtemps. Ouais, il apparaît sans cesse dans mes rêves. Ça va, ça va. Merde. Ah, c'est le mec de KFC là. Général Macintosh. Ça, c'est moi Dodo. Et ça, c'est le directeur Zacharia Tranche. De pain. Tu peux. Aller faire pipi. Ah, il nage bien. Je oui. Vais pas le faire. Alors. Bureau fédéral de contrôle. Toutes ces années, je l'ai cherché. 35, monsieur. Juste sous mon nez. Je suis au fédéral bureau of control. Kiwi, toi qui parles anglais, ça veut dire quoi ? T'as dit quoi ? Fédéral bureau of control. Le bureau de contrôle fédéral, mec. Bien joué. Je teste ton anglicisme total. Merci. Ouais, le jeu est gratuit, enfin si tu le fais gratuitement, il a l'air de faire vachement le café. La musique du jeu est horrible. En train de me... Eh oh ! Voilà. Eh ! Excusez-moi ! C'est bien de faire le ménage dans la vie. Et attention... Ah, te voilà ! Je suis là à cause d'un travail. Assistant concierge. Tu dois passer l'entretien. Va vers l'ascenseur. Merci. L'ascenseur de ce côté. Compris. Très bon. Au fait, je suis Hattie, le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas, Nino Ahevet.
Il y a du travail pour Ash. Amène-le derrière son âge ou malade. J'ai fait suffisamment de job de nuit pour savoir que ça peut paraître. Excusez-moi. Je te pardonnerai jamais. Pour moi, a-t-il concierge, a plutôt l'air sympa. Mieux que quelqu'un avec visage nouveau. Pense. Visage nouveau. Non, il y a des râteaux. Tu te rends compte? La cellule. Et le poster. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider? Ça va faire des pauses. Quoi? Des pauses. Ouais. De gaming et tout. Arrêtez le jeu vidéo. Toutes les deux heures. Pendant un quart d'heure. Ouais. Et si possible, se déplacer. Aller dehors et tout, être en contact avec la nature. Boire de l'eau. Avant de boire et avant de manger. C'est de très bons conseils. Pendant les temps de chargement. Est-ce que je t'ai perdu? Il y en a. On peut pas boire, hein, c'est vraiment IRL. Il nous conseille de. Tu sais à qui je pense? Mon petit frère Dylan. Ça, c'est un jeu, je sais pas. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau. Les consoles aussi d'enfants à la Nintendo, ils font beaucoup de trucs comme ça. Après, c'est. Oh. Mais personne ne repasse. Je sais. Mais. Si fort, je détruis tout. Et du coup, t'as bu de l'eau ou pas quand on te l'a conseillé? Ça m'y a fait penser. Mais j'en ai bu. Pas mal. Mais peut-être pas sûr, je sais pas. Par contre, je sais, il y a des conseils qui sont terribles. Genre, cligner des yeux pendant que vous jouez. Et du coup, après toute la game, je suis là en mode est-ce que je cligne assez? Et du coup, je cligne beaucoup. C'est vrai que dès que tu penses au fait de cligner des yeux, tu sais plus quand tu dois le faire. C'est comme quand tu respires. Pareil. Ouais. Je viens de le faire. Ou avaler la salive, mec. Ça, c'est atroce. Merde. Et la vie, on va te rappeler tous les trucs les plus chiants du monde. Merde. Je sais pas si des fois tu le fais, mais genre, tu colles ta langue à ton palais. Tu veux que je la récupère? T'essayes d'aspirer. L'arme qu'il a utilisée, vraiment? Vas-y, essaye. Et ça fait. T'es en train de le faire. Tu le fais. Ça t'arrive des fois? Jamais. Ok, bah moi ça m'arrive quand je fais ça. Après ça m'entrave la gorge. Comment ça peut gratter la gorge? Pas la gorge, mais le fond de la bouche. Et voilà pour le poster. Des objets de pouvoir. Ça me le fait pas. Peut-être que je fais mal ce que tu dis. Le résultat, 2AM, événement d'altération de monde, qui altère comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrée dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, et... et c'est gagné. Le barreau. Regardez-moi cet endroit. Mais je suis où? Quelque part, madame. C'est drôle. Il y aura un peu plus tard. Tu sais que genre... J'ai jamais entendu un mec dans un let's play éternuer. Ah ouais? T'as déjà entendu un mec dans un let's play éternuer?
mec. Ce serait trop marrant, Frigel qui éternue pendant que tu joues à Minecraft. Tu sais, il est là avec Fluffy. La même arme. Est-ce que t'es un des premiers? Je suis un peu battu. Dans la vidéo GTA, il y avait des moments où maintenant on entendait des héros. Genre, je crois que j'ai roté pendant un moment. Ouais, on essayait de monter une montagne. Ouais, c'est une ou deux heures. On a dit des choses que j'ai pas dit. Ouais. Peut-être un jour la mettre en privé. Jusqu'à temps qu'on se fasse. Ouais. Bah là si c'est pour un épisode, mets-le à une heure. Comme ça c'est déjà ils vont pas la tête, pas le regarder en entier et ils vont pas tomber sur ce moment où on dit qu'il y a une vidéo où on dit des trucs bizarres et puis ils vont pas aller voir et tout. Ça, ouais mais on a pas précisé quel genre de truc. Non mais attends, comment ça à une heure? Bah je sais pas, genre la durée de la vidéo, si t'en fais une. T'es bloqué, t'es obligé de jouer pendant une heure. En vrai, on n'a pas dit des trucs. Je sais pas. Toi, t'as peut-être dit des trucs, mais moi, je pense pas. Ah, si. Moi, un petit peu. Oui, il était pas là, c'était juste moi et Adro. Ah, bah, c'était Adro. Non, en vrai, ça va. Des gens propres. Enfin, moi je suis un mec propre. Poser une fausse sceptique, première partie. C'est la sceptique, c'est la fin. Quelque chose se prépare. De temps. C'est une menace. C'est mauvais genre. Une attaque. Juste voir deux secondes le temps de jeu de contrôle. Si je vois que c'est trop long, j'arrête le let's play maintenant. J'ai pas envie de jouer longtemps à ce jeu. Si c'est genre moins de 10 heures, c'est cool. Durée de vie. Ouais. En peur. Oh la peur. Comment est-ce ça? Entre 20h et 30h. Ah, il m'a soif gelé. Le chat? En ligne droite. Tu veux le continuer du coup? Oui, non, mais ok. Il y a 10 missions. A tout de suite. Non, il reste pas avec moi, je peux pas blairer ce chien. Je vais le tuer. Ah ouais. Devoir en tant que guériteur. La sécurité. Quoi, je fais une vidéo découverte plutôt, non? Bien, découverte, exactement, c'est vidéo découverte. Eh ben. Merci d'avoir regardé le Let's Play Découverte, épisode 1 sur 1, en compagnie de Bobby. Est-ce que dans un stream, t'as le droit de menacer de mort un chien? Ouais, t'as le droit, c'est pas grave. Il a le viral, ou sinon je te tue. Allez, monte, Clibar, allez. Et du coup, on a été accompagné d'un durant... Ray, dis bonjour, allez. Dis bonjour à la caméra. Dis coucou, Ray. Présente-toi. Coucou, la caméra. Allez, pose-toi, ouais. Ouais, je mets ma cam, je mets. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire, Ray? Dis coucou. Dis quoi? Tu veux qu'on monte ces escaliers? Vas-y, penche-toi. Vous voulez voir mon lien? Let's go. Vas-y, montre ton lien. Je vais le garder. Le let's play. Et comme ça, on cutera. Ah non, ouais. Tout le monde va voir ton chien sur internet, ouais. C'est bizarre. Non, je veux pas que tu vois mon chien sur internet, wesh. Il a une tête d'abruti un peu. On voit ton plafond qui est. Ensuite, on voit ton chien. On voit un endroit mauvais de ton chien. Ah oui, mais il veut pas tourner sa tête. La nuit. Est-ce que tu peux l'étrangler? Comme ça, après, il y a l'association. Mec, il va y avoir PETA, la SPA et tout qui va cancel la fosse. En plus, allez, par rapport à ce qu'on a dit à la vidéo GTA, elle va se faire décortiquer, mec. Allez, Ron. Non. Dingue.
La fin tu veux mort, mettre c'est... ce moment dans la vidéo de la fosse? Regarde, il y a un chien. Personne ne la verra. Si. Si, moi. Mec, s'il y a des gens qui vont chercher et que ça fait genre un bad buzz, je peux dire que j'ai des amis, tu vois. Non, il rentre pas. J'ai des amis chiants. Ouais, exactement. Non, ce que je pourrais. Non, mais tu vois. Et en vrai, il y a moyen de t'en sortir en disant des choses complètement simples et en disant que c'est pas forcément la chose pour laquelle le mot est utilisé à la base. Parce que d'ailleurs, c'est pas ce mot exact là qui est utilisé à la base. Regarde-le. Ouais, alors. Du coup. Et ben, ton chien, il est aussi moche que toi.